penser avec dossier pasteur Armel Lafleur là. On dirait pasteur Armel Lafleur, il était prend bagaille comme jouet petit monde. Hier, nous une vidéo à li viral côté que lui même avec petite fille, yo présenté des notes d'excuses, yo présenté excuses avec public là etc. comme quoi et comportement yo estimé monde qui dérange yo fait excuse mais Armel Lafleur, il camper derrière ça le faire puisque il fait qu'on essaie éducation sexuelle. Peuple assemblée l'a fait. Eh bien, commissaire gouvernement Bordeaux-Brest, Jacques Lafontaine, n'a pas décidé de faire vague. Et aujourd'hui, en ces journées, aujourd'hui, là, Armel Lafleur a connu qui sac la justice dans le pays d'Haïti, comme quoi, et yo, ouais, en Haïti, c'est impunité. Dans un dossier qui vient de graves accusations viol qui impliquait la avec et présumé victime dans Stéphanie, tout bagaille est passé comme si de rien n'était. Et juge d'instruction enterré les Armel Lafleur, l'église y débarqué, l'église y vient dit c'est menti, c'est diable qui n'a pas été fier, bien journée jeudi en là. Commissaire gouvernement, il dit que ça va pas passer comme ça. On nous garde ensemble comment ça t'est dans le paquet pour reprendre ça avec Jacques Lafontaine. Rien que la vérité. Donc, moi-même, moi dis que. Ce matin, je vais le voir à l'immigration, il y a une interdiction de départ contre le pasteur révérend pasteur Armel Lafleur pour aller faire de l'empêcher de quitter le territoire. Fait yo assez grave. Il y a révolté la conscience collective, il y a révolté la société, il y a révolté le monde. J'avais convoqué le pasteur Armel Lafleur à se présenter par devant le chef de la poursuite pénale ce matin. Pour les faits et portés contre lui, notamment les attouchements et exercés donc sur une fidèle de son église, et ce qui constitue, au regard de l'article 283 et le décret du 6 juillet 2006, qui renforce ce texte légal, et c'est une infraction pénale et punie d'une peine correctionnelle. Et je crois que c'est dans le cadre de cette invitation que votre présence se manifeste ce matin au parquet de Bourg-Prince. Et à cette phase, je dois dire à l'opinion publique, à tout le monde, à vous journalistes de la presse en ligne, que je viens de recevoir une correspondance émanant du cabinet droit et équité qui est dit que c'est au avocat pasteur Armel. Et maintenant, moi, je pensais que, par contre, si après le public, mais je dis ça publiquement, par cette correspondance, avocat a sollicité du commissaire du gouvernement un report de cette invitation. Et il a tout fixé la quinzaine et m'a dit qu'il n'y a pas droit à ça. Donc c'est moi qui connais pour qu'il l'autre joue pour Mbaili. Maintenant, le droit. Solliciter au report d'une invitation, c'est à bon droit pour m'accorder. Et que maintenant, nous n'avons pas accordé, mais nous prendre disposition et nous avons connu dans les prochains jours, m'avait invité pasteur Armel. Nous sommes aujourd'hui le mercredi et vous croyez que déjà vendredi ou lundi, tu as de répondre de l'invitation. Donc, bref, mais m'a dit pour l'opinion et pour le monde, pour la société, que comportement, agissement, pasteur Armel révolté, les choquer nous, les troubler l'ordre social. M'a dit que, en tant que technicien du droit, professionnel du droit, je dois dire la vérité et rien que la vérité dans tout ça. Et le texte qui punit le comportement de pasteur Armel, l'article 283, il y a deux dimensions là-dedans pour nous comprendre. La première dimension, sans interprétation, hein, mais la compréhension du texte, mais pas l'interprétation du texte. Parce qu'en matière pénale, le texte est de stricte interprétation. Nous sommes dans la compréhension du texte, mais non dans l'interprétation du texte. Le texte dit quoi? De côté, le texte parle de outrage public à la pudeur. Et premier monde, ça concerne, c'est le commissaire du gouvernement, en premier lieu. La société, l'opinion publique, et que moi-même, c'est avocat, c'est avocat société, donc me concerne au premier chef. Mais deuxième volet, aspect texte là, il parlait de moun, la personne qui se sent blessée dans sa pudeur, comme dans son honneur, par ses attouchements. Et si cette personne-là
qui se sent blessé dans sa pudeur ne porte pas plainte, pas capable d'arrêter Amel, pas capable d'exercer contrainte par corps contre lui. Mais si la fille, sa fidèle, par contre c'est petite lui, pas gagner preuve que petite lui, moi dit fidèle lui, si fidèle a été porté plainte dans le paquet, depuis hier, pasteur Amel t'a pris temps, derrière barreau. De Brel t'a marré et t'a derrière barreau. Maintenant, étant donné que test qui punit comportement, ils sont punis de peine correctionnelle de 3 mois à 1 an, en matière correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. Je reprends. En matière correctionnelle, en matière d'une peine correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. D'accord? Donc l'article 166 du CIC trace la procédure correctionnelle. Maintenant, il appartiendra au tribunal, à la juridiction, à la police correctionnelle de décider de la contrainte par corps du pasteur Amel Lafleur. Et l'audience qui a fait la position là, nous parlons de citation correctionnelle, citation directe, et au terme et à l'issue de cette audience correctionnelle, nous parlons de connaître, d'accord, qui peine, nous parlons encourir par rapport au comportement. Ça, c'est le droit, ça, c'est la loi, c'est la vérité juridique, rien que la vérité. Et je dis en cela que on monde capable l'école, même côté avec Michel Lafontaine, pour te faire la même promotion avec nous, nous sommes capables de faire 4 endroits, même côté, même faculté. Tout comme nous sommes capables de nous aider au endroit. Mais c'est dans les nuances, et dans les subtilités, et dans les contradictions juridiques, c'est dans ça que nous parlons de différence entre deux personnes qui font droit, entre deux personnes qui font génie civil, entre deux personnes qui font mathématiques, qui font finance publique, qui font administration. Donc samedi, c'est la loi, c'est le droit. Relez n'est pas un avocat. Que le avocat, ancien avocat comme jeune avocat, qui connaît, qui connaît lit et qui connaît bien, Abdou Samdoula, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc, moi-même, moi dis que dès ce matin, je vais le voir à l'immigration, il y a une interdiction de départ contre le pasteur, le révérend pasteur Amel Lafleur, pour aller faire de l'empêcher de quitter le territoire parce que, et je crois que l'interdiction est déjà en route. D'accord, Lucien Instrumentin est déjà en route vers l'immigration pour que nous interdit parce qu'il y a départ, quitter le pays parce que fait assez grave, il révolte la conscience collective, il révolte la société, il révolte le monde. Donc pas de question, parce que pas présenté, il faut le présenter, il doit se présenter. Et aujourd'hui même, Lucien Instrumentin est déjà en route pour expédier une mesure provisoire d'interdiction de départ. Alors, si toutefois, elle n'est pas répondre à la deuxième convocation, qui a peur réaction? Eh bien, réaction, on va prendre ni s'il n'est pas répondre. Même bon, garantie, il n'est pas répondre, parce qu'il perdra de toute façon les avantages que la loi lui donne. Est-ce qu'il peut anticiper sur éventuelles peines? Oui, peine, non, c'est pas capable d'anticiper, mais là, je dis ça, la loi prévoit comme peine, c'est 3 mois à 1 an. Cependant, ce tribunal-là, qui parle qu'on est, qui décide sur le grand, par rapport à peine la loi prévoit. Et je crois que me fait sortir une note là, côté me demander en termes de recommandation, de sanction, pour que ils soient capables bail infliger à l'église à pasteur, notamment suspension pour ne pas officier comme pasteur pendant au moins autant que le ministère n'est même pas défini. Alors nous, le ministère des Cultes, pourrait pousser dans cause à tout. Demain, si Dieu veut, on convoque pasteur à tout. Bien sûr, c'est à bon droit parce que le ministère des Cultes. Toutes les questions relevées de lui-même, si on gagnait, permis pour ça. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Et moi, là, je suis disponible pour me capable d'éclairer la société que ma vocale lui-même. Merci. Là, nous sommes attendus, commissaire au gouvernement Jacques Lafontaine. Mon bras saisi, oui. Ou presque, c'est ouais, tout ça la faute de la rue correct. Pour une fois, je rejoins le commissaire parce que le commissaire est correct dans sa li avance comme argument, il est correct dans sa li avance, il prend comme position tout. Mais n'est-ce pas penser Haïti son savane? En même la fleur, dans ce moment-là, on dirait que il prend pays pour savane, n'est-ce pas faire ça, ou les gens ouvrent. C'est pas seulement Armel Lafleur. Non, bon paquet de nègres qui ont contravention avec la justice. C'est le même esprit, c'est le même comportement, entendez? Commissaire a invité Armel Lafleur pour le dandel. Armel Lafleur, il n'a pas mis pied, cabinet d'avocat, écrit commissaire du gouvernement, tandis ça a dit.
yo fait comprendre, yo fait connaître que cabinet avocat qui représentait homme de Dieu, révérend pasteur Ormel Lafleur, li trouvel non impossibilité pour le venir pour le présenter devant commissaire du gouvernement. Malgré tout, li te gon volonté manifeste pour le venir, mais impossibilité pour le répondre à invitation. Li joine li basé sous deux raisons. Première raison, c'est parce que invitation t'est faite de manière trop brève. L'elle t'a fait bêtise, elle pas fait de manière trop brève tout non. Invitation li fait de manière brève et l'autre bagaille là, c'est que avocat pas disponible pour yo représenter. Yo aller plus loin pour yo mandé commissaire gouvernement par rapport au prince Jacques Lafontaine pour yo reporter invitation à la quinzaine au fait de pouvoir répondre valablement à l'invitation. Ça veut dire que ça veut dire dans moment là on met la fleur couché sous cabane la caille depuis l'enlève si la telle ouvert bien s'il y a climatiseur la prend bon vent la prend bon vent la griller dans sous société la prend bon vent la griller dans le sous population moun sa qui senti yo vexé moun sa qui senti yo indigné par rapport avec comportement li gen par rapport action grand moun devel gonde la fait dans l'église yo la fait dans mitan assemblée là. Li comprennent que ça supposé rester impuni, li comprennent ni maintenant que ça doit rester impuni, li gen légalité en tant que pasteur pour l'abuser fidèle l'église yo. Et ça l'on pral comprendre ouais nèg sa yo, dans devant sa yo, c'est eux même qui té pichori devant bande là, l'heure pour nouveau code pénal, président Jovenel Moïse té fait au travail sous l'heure pour code pénal ça, l'heure pour té rentrer en application. C'est eux même ou té dit au code pénal SS, au c'est code pénal et c'est qu'a couché à frère, tonton qu'a couché à nièce, ma tante qu'a couché à neveu etc. C'est eux même qui té campé au table deal. Yo pas voulé le rentrer en application parce que yo compte quand c'était mal propre té a fait. Yo connaît qui rigueur tout qui gagne dedans code pénal ça c'est une des raisons pas jamais accepter nouveau code pénal là kounya nous commencer comprendre nèg yo kounya nous commencer réaction yo gè des série de monde qui avec toujours qui pas jamais ka comprendre ça qui passe dans société là qui pas jamais ka comprendre ça qui fait à terre là en dedans l'église pasteur Amel Lafleur là mais moi même là pour me dire vérité en Jean Lia fâché content mais on attend des vérités en Jean doit sortir pas gè menti dans ça et m'apprécier le fait que commissaire Jacques Lafontaine, li gen tan dépêché là pour le voyer dans l'immigration, pour le voyer mettre interdiction de départ sous toute action que pasteur Amel Lafleur te ka gen en tête li pour le faire. Si l'a quitté pays en bateau, en avion, n'importe côté l'a fait pour ta quitter pays, yo interdit, c'est sous sol là pour être, c'est en dedans pays là pour être. C'est là faire outrage public à la pudeur là, c'est là manquer société à dégâts, faut qu'on passe devant commissaire du gouvernement, faut qu'on t'endo. Et on aller plus loin demain là pour le paraître dans ministère des cultes. Li gen pour le paraître non rencontre d'harmonisation, est-ce que l'a pas mettre pied tout? Jean le boudé invitation CGA, est-ce que l'a boudé invitation ministère des cultes là? C'est là pral wè bonne volonté nèg yo oui. C'est là pral wè si nèg sa yo vle fè pays tout bon oui. Lè a parlé au premier micro campé sous chè yo dou ko sa yo vle on l'autre Haïti. C'est là pral comprendre est-ce que yo vle on l'autre pays? Est-ce que yo vle on l'autre modèle société ou bien est-ce que y a continuer zombifier société nou gen la, zombifier jeune femme, zombifier jeune garçon moun, abuser yo sexuellement et puis après y a dou pour la gloire de Dieu. Tout bagay sa yo fait d'aide au bon Dieu pas au courant de bagay sa yo. En tout cas, Nathan qui suivi qu'a fait pas bon côté commissaire du gouvernement, Nathan qui suivi qu'a fait pas bon côté ministère des cultes parce que yo moun tan kou pasteur Amel Lafleur pendant un petit temps, si cette technique pas fin trop bien, si cette technique pas fin trop bien, pendant un petit temps, faut que mette l'on côté pour la réfléchir pour voir est-ce que le ka dirige ministère là, est-ce que le ka continue prendre ministère là toujours. Ça va gagner mal là dedans. C'est pas parce que yo pas aimé pasteur ou pas, mais c'est société nous voulons faire, c'est pays nous voulons faire. On nous quitte dossier pasteur Amel Lafleur là. Parce que nous, ouais, pour nouvelle année, j'aime te dire avant-hier là, commissaire gouvernement Jacques Lafontaine, il commence bien là, il a bien démarré. On nous passe dans ce qui est pour nous avec un dossier politique dans le pays d'Haïti. Dans la fin de l'année 2022 qui se passe là, ces sanctions internationales, c'est ça qui marquait toute année. Oui, dans la fin de l'année, il y a des sanctions, il y a des sanctions négatives. Mais sous-mandant un monde qui s'est marqué l'esprit de l'année 2022, il y a
communauté internationale là qui sanctionnait des acteurs dans la vie nationale, l'acteur politique, des anciens auditeurs de l'État, anciens parlementaires, des anciens présidents qui sanctionnaient, des communistes nègres qui ont millions dans la République qui tombaient en bas sanction communauté internationale là, parce que ils ont gagné implication à gang, ils ont financé gang, ils ont financé violence criminelle en dedans la République. Depuis après sanction yo, peuple haïtien, société a besoin qu'on est-ce que sanction ça yo que États-Unis, Canada, ou paquet de pays prend compte différents moun ça yo qui yo même yo impliqué dans paquet activité économique en dedans pays hein. Est-ce que sanction internationale yo ka paralyser marché financier hein, yo ka paralyser activité économique en dedans la République. Et bien question ça, li supposé interpeller ou, parce que ou même journée jodi qui a vivre dans pays d'Haïti d'une manière ou d'une autre, vous avez observé la banque. Ah oui. Et majorité nexao qui sanctionne dans le secteur économique là, yo même yo fait partie de conseil d'administration banque en dedans la République. Donc l'argent là yo gen contrôle sous li. Donc jodi an là, le États-Unis, Canada sanctionne un paquet nèg en dedans la République. Est-ce que sanction ça reprend contre même là, yo ka impacter activité économique là? Est-ce que ou même qui gen ti kòb ou serre la banque, est-ce que sanction ça li ka gen répercussion sur activité économique? Et bien gagné gouverneur BRH Jean Baden Dubois qui lui même li parler li ba ensemble d'explications dans dossier sanction internationale yo avec impact yo ka gagné sur activité économique, précisément activité bancaire en dedans pays. Monsieur Baden Dubois qui lui même li t'a participé nan yon émission économique sur Radio Métropole avec Kessner Farel, li parle de impact sanction internationale yo gen sou secteur bancaire là. Li fait qu'on est tout d'abord gen yon gros distinction qui existait entre sanction bilatérale yo ak sanction multilatérale yo. Qui ça qui sanction bilatéral là, qui ça qui sanction multilatéral là, dans qui se sens ou ka retrouve face avec des sanctions bilatérales, dans qui se sens ou ka retrouve face à des sanctions multilatérales. Par exemple, une sanction bilatérale sont sanctions que peut-être yon pays, yon institution, yon organisme international ka prend contre yon individu, contre yon pays par exemple. Mais dans ça qui gagne pour avec sanction multilatérale là, l'on parle de organisation tant que Nations Unies, organisation qui a vocation mondiale, qui a vocation internationale, n'importe décision, n'importe sanction li prend, c'est une sanction multilatérale parce que tout pays qui fait partie de Nations Unies, yo gagne pour yo soumettre, yo gagne pour yo courber en bas sanction pour yo appliquer sanction. Donc c'est là toute différence et c'est là toute beauté sanction. Dans ça qui est pour avec résolution 2653 que Conseil de sécurité Nations Unies te prend, dans ça qui est pour avec dossier haïtien dans date qui était 21 octobre 2022, sanctions ça yo considéré comme des sanctions multilatérales parce que porte yo aller au-delà de un pays, li aller au-delà de tout pays qui constituait Nations Unies. De pour son pays qui membre Nations Unies, sanctions ça yo, c'est des sanctions qui contraignent ou supposées appliquer yo. On va l'ouvrir une petite parenthèse, on va le comprendre bien. Tant que Canada sanctionné ancien président Michel Martelly, ou est Canada sanctionné Jean-Henri Seyan, ou est Canada sanctionné ancien premier ministre Laurent Lamotte, ou est États-Unis pour rentrer dans des marches ça. Nous t'ai parlé sous ça 2022 passé, nous t'ai fort comprendre que États-Unis lui-même, la loi américaine gagne en procédure, gagne des marches à suivre pour arriver sanctionner des séries de monde qui soit résidé aux États-Unis ou bien qui citoyen américain. C'est une des raisons après tout le monde attend qui liste, tout le monde attend liste Nations Unies pour qui ça, parce que automatiquement Nations Unies lui-même li sorti en liste, liste ça li oblige force contraignante et tout pays obligé couper en balle. Pas une question ou un tel réside la caillou, ou pas une question un tel c'est citoyen pays ou etc. Ou pral obliger le plus rapidement possible mettre action publique en mouvement contre moun sa qui réside la caillou, qui c'est citoyen pays ou là, pour poursuivre li, pour le payer pour crime. Yo reproche la pour infraction li commet la. Donc c'est une des raisons journée jodi an la tout apprendre ça dans ça qui gen pour avec dossier haïtien
priorité que tout le monde accorde là, il accorde priorité avec décision que Nations Unies a bien pour prendre ça qui vient pour avec l'ismoun, il a gagné pour sanctionner parce que sanctions ça yo, yo considéré comme des sanctions qui opposables à tous, tout le monde obligé courber en balle et sanctions ça c'est des sanctions multilatérales yoye. Kounye a sanctions que États-Unis, sanctions que États-Unis, Canada prend. Sanctions que Royaume-Uni prend contre différentes catégories en dedans pays là, différents groupes mon en dedans pays pas oublier moun sa yo, yo c'est des citoyens moun sa yo, même gens avec n'importe l'autre haïtien, yo gen des activités bancaires, yo gen des activités commerciales yo fait en dedans pays, yo mettez comme la banque, yo prêtez comme la banque sûrement, donc banque là gen relation d'affaires avec yo, automatiquement yo sanctionné moun sa yo, yo sanctionné soi-disant ancien président, yo sanctionné ancien premier ministre, parlementaire etc. yo sanctionné des séries de gros poissons dans secteur privé des affaires. Là moun sa yo gen des millions de dollars dans banque. Kounye a, la communauté internationale l'a sanctionné yo sous base résolution 2653 et Conseil de sécurité des Nations Unies, banque haïtienne yo, yo pa gen l'autre choix que yo même étudier possibilité pour prendre distance avec moun sa yo. Kounye a, yo fait comprendre que par rapport avec situation, Jean-Baden Dubois lui expliquait que journée aujourd'hui là, banque en dedans pays, que c'est banque centrale qui c'est organe régulateur là qui a géré toute l'autre banque yo, que c'est banque commerciale yo, yo supposé appliquer, yo supposé appliquer ça communauté internationale en prévoit, sa résolution 2653 Conseil de sécurité Nations Unies en prévoit, dans ça qui gen pour avec gelé compte en banque Nexayo, gelé l'argent yo gen dans banque etc. comme sanction parce que c'est yo qui a financé gang, c'est yo qui a financé bandi en dedans pays, yo gen relation avec gang, yo gen relation avec bandi, yo supposé sanctionner le plus rapidement possible. Kounya, sanction bilatérale que États-Unis, Canada, Royaume-Uni prend là contre différentes personnalités en dedans pays, li concerne directement action que pays ça yo a bien pour faire contre moun sa yo qui ta soi-disant sous sol yo a, même le yo pa ta résider des séries de moun qui a acheté caille aux États-Unis, qui a acheté caille au Canada, famille yo a vivre en dehors pays, moun sa yo au fait précisément aux États-Unis lui-même qui ça le fait. Li commencé à appliquer des procédures pour saisir kay moun yo, pour saisir bien moun yo, parce que ça li concerne directement des sanctions bilatérales qui concerne États-Unis avec moun sa yo qui sanctionné ya, qui sous sol pays ya, qui a vive dans pays ya, ou bien qui gen madame ma petite a vive dans pays ya, mais c'est l'argent qui sorti dans corruption, c'est l'argent qui sorti activité criminelle, kidnapping en Haïti, qui a enrichi madame yo, qui a enrichi petit, tu as fait un train de vie à bien vivre aux États-Unis. Donc automatiquement moun sa yo en bas sanction yo sous liste fac là, rapide vite États-Unis, rapide vite Canada dans pays pal pa bon côté pal, yo supposé rapide vite mettre procédure en place, respecter procédure yo pour yo poursuivre moun sa yo. Non, l'idée pour répondre de zak malhonnête yo fait dans déstabiliser pays yo, nan participer directement ou indirectement nan misère peuple haïtien. Donc ça yo yo extrêmement important pour nous connaître. Mais côté bagay la paraît plus compliqué, c'est responsabilité ban haïtien yo gagné vis-à-vis de sanctions internationales, sanctions États-Unis, Canada avec un paquet l'autre pays prend contre des acteurs en dedans pays d'Haïti. Banque en Haïti yo même yo pa vle perdu avantage que des séries de banques américaines, canadiennes côté yo même yo en relation d'affaires avec yo ba yo des non c'est une série de avantages que yo ba yo, yo pa vle perdu le pour un simple client parce que automatiquement client automatiquement on prend le cas par exemple de Cherif Abdallah Bidjo ou prend le cas par exemple de président Timarsena Joseph Lambert, automatiquement moun sa yo nan viseur États-Unis, on envisage Canada ou bien envisage la communauté internationale dans l'ensemble. Moun sa yo son kat nake yo ye. Ou fak mande pou yo gele bien yo, ou fak mande pou yo saisi bien yo, etc. Donc, kounye ya, on banque en Haïti, pas qu'à continuer à faire relation d'affaires avec yo, pas qu'à continuer à faire relation et pas qu'à gagner relation financière avec yo, pour qui ça? Parce que on banque
internationale, une banque américaine, une banque canadienne, qui a une relation avec une banque en Haïti, qui permet de faire des transactions internationales, il y a aujourd'hui une certaine correspondance. Le fait que client li sous liste noire aux États-Unis ou bien Canada ou bien sur l'échelle internationale ou même ou quitter client ça ou toujours gagne relation d'affaires avec client ça ou même tout dans banque on vient en quatre market automatiquement c'est ça que faut ouais gagne un paquet de banque là qui oblige couper fâché avec nèg ça qui en bas sanction ou ouais. Et soje bank li montre le coupé fâché avec Seyan etc. pour qui ça parce que yo pa vle tomber en bas sanction mais gon l'autre bagaille gon l'autre aspect tout l'on prend exemple Chérif Abdallah. Chérif Abdallah mon quoi était vice et vice-président conseil d'administration dans soje bank donc li gen l'argent li gen ti l'argent dans banque là qui fait banque là fonctionner qui fait banque là marcher li tomber en bas sanction et li tombe en bas section Canada comme moun ka financer gang ka financer zak criminel violence criminelle dans le pays qui a relation avec bandi. OK qui ça n'était ouais Chérif Abdallah fait li couri li sorti note côté que li prend distance ya soje bank li prend distance avec conseil administration soje bank là mais est-ce que pour autant si OFA a enquêté si Canada a enquêté si il y a des experts qui a enquêté est-ce que on pas prêt joindre l'agent Chérif Abdallah toujours soit à blanchir dans banque là soit toujours fonctionner dans banque là journée jodi là parce que ça est extrêmement important c'est l'exaio qui fait partie de secteur économique le secteur privé c'est eux même qui gagne millions c'est eux qui fait millions mal sous le peuple dans le pays c'est eux même qui ca actionner dans banque c'est eux même qui ca investir des millions dans banque côté me gagne des millions côté on l'autre gagne des millions pour investir dans banque qui côté on t'a quitté passer tout donc journée jodi là nous obligés prudents, nous obligés veiller tout pour nous pas prendre un coup de bas parce que dit ou prend distance avec Nexaro. Là nous connaît tous ces Nexaro qui gagne l'argent, qui connent utiliser des prêts non le plus souvent pour cacher bien ou rien. Vous comprenez, il y a fait corruption sous toute forme. Prend distance avec yo dans bouche, prend distance avec yo sur un bout papier non note de presse non conférence de presse etc. Ça yo presque pas vle dit rien. Là nous connaît comment zak corruption yé en Haïti, là nous connaît comment zak corruption fait dans pays d'Haïti. Jusqu'à date BRH vle mette population haïtienne en confiance. Yo vle mette en confiance pour yo faire yo connaît que ça qui est pour avec sanction internationale yo yo pas gagne aucun impact sur activité bancaire dans le pays yo pas gagne aucun impact sur système bancaire là c'est une des raisons qui fait yo t'es premier monde qui t'es prend sanction BRH c'est lui même qui organe régulateur c'est lui même qui avait toute activité banque commerciale yo a fait il t'es couru rapide vite il t'es couru mandé banque commerciale yo pour prendre distance avec tout monde ça qui sanctionné non l'idée pour empêcher que BRH ou bien n'importe quelle banque commerciale pas tomber en bas sanction pour ça pas venir paralyser activité bancaire là dans le pays. Jusque là, nous voulons faire nèg yo confiance, nous voulons quoi dans déclaration yo, nous voulons quoi dans ça yo avancer comme argument pour kembe population en confiance, mais n'a suivre pour nous parce que automatiquement liste et Nations Unies li soti gen moun la reparle te mettre des millions de dollars dans banque li te mettre c'est lui même qui t'aime actionnaire majoritaire dans banque yo ou obligé prendre distance avec yo ou obligé lager pied yo ou obligé mettre yo dehors en activité dans secteur d'activité parce que nous pas ka tolérer pour pays en plonger de manière économique pour pays en plonger pi bas que Jean li a là la cause un petit point nèg déjà c'est 5% nèg yo qui gen 85% richesse pays en amè yo kounya pour de manière légale c'est 5% nèg sa tout qui pral effondrer pays qui pral plonger pays dans un chaos économique parce que intérêt menacé parce que yo veulent préserver intérêt. Donc il est extrêmement important pour me partager information ça avec vous pour te connait information ça yo. Donc partager information avec l'autre ami pour plus monde ka au courant de ça qui a passé en dedans pays ya, puisque moi dou déjà activité politique yo dans moment là yo gen gros tension gen gros rebondissement surtout dans dossier au conseil transition qui concernait Ariel Henry Mirland Maniga qui concernait et pasteur Calix Fleuridor qui concernait Laurent Saint-Cyr qui représentait lui-même secteur privé des affaires là bon quitter nous avec Jean et Jean-Renel Senatus qui lui-même li pral ba nous plus détails plus explications dans appréhension dans Jean Louet
activité politique là démarré là pour nouvelle année et qui j'en comprendre comportement pasteur Ormel Lafleur dans ça qui gagne pour avec Zach attouchement et infraction outrage à la pudeur que li a fait sous petite li. Et avec nous, on va parler sur l'actualité politique là. Mais avant ça, plus que je ne dois t'interpeller, moi, sur ça, et qui te pose une question sur un fait qui domine l'actualité là. Et ses comportements et ses dernières sorties en date de pasteur et Armel Lafleur, côté, il y a une vidéo qui vira sur les réseaux sociaux, côté, il a fait des attouchements sur un monde qui représente. Qu'il présentait comme petite-là. Et ça fait que le commissaire gouvernement et Port-au-Prince, là, eh bien, il convoquait lui, matin, il invitait lui, de préférence, matin. Et il dit invitation, ça, il justifiait par outrage public à pudeur et par profond trouble que agissement, parce que la fleur créée dans l'ordre social. Ou, c'est sûr que, où t'es ouais, et vidéo, et ouais, invitation. Ou opinion sur ça, et rapidement, sénateur, sénatus? Opinion sur ça, d'abord, faut me remercier et dire bravo à la société qui, dans tout compartiment, dans toute dimension, dans tout secteur, de manière confondue, relé en mouet pour comportement pasteur Armel Lafleur, affiché et devant l'église li et devant Dieu société, comportement que tout le monde dit non, il va accepter. Ça, c'est bon, c'est bien, ça montre que société noire en réveil. Parce que pour moi-même, le comportement de pasteur Armel Lafleur, c'est un fait qui exprimait de malaise et en dans société, en société qui est en décrépitude, qui est en dégénérescence. Maintenant, société a dit non, il n'est pas d'accord. Et nous, le commissaire du gouvernement saisi dossier de par lui-même, et il a poursuivi pasteur Armel Lafleur. Moi-même, moi, m'dine pas de vous pour ça. Parce que c'est un comportement que je n'ai pas accepté. Mes trois petites filles, partie intime, si mon mari a été bébé, c'est pas grave, maman, yo, traité de lit, avec médecin, yo, pédiatre, yo, traité de lit. C'est pas moi comme papa. Et je pense que c'est un très mauvais comportement que pasteur Amel a gagné. Malheureusement, c'est pasteur Amel qui a gagné. Mais faut que nous dire, je me dis à l'heure à Pena, c'est un fait qui exprimait de malaise en tant que société. Donc, c'est point iceberg là, c'est pasteur Armel, mais toute société a dû regarder sa capette anormale la caille. Parce que lorsque je suis sénateur de la République en 2017-2018, il y a un artiste qui râlait au micro, il simulait que la fouillée derrière on tire une jeune demoiselle, et qui était mineure à l'époque, à Miragouane. Moi-même, moi, j'étais pété coquin. Même société, ça que le VO dit à la qui dit à pasteur Armel, il va d'accord là. Il y a un pire monde qui t'a joué, qui t'a dit, ça va t'en. Mais c'est petit bagaille, ça y est, qui t'a produit, qui a mené gros bagaille, ça y est, qui a dérangé l'ordre social là. Je dis à moi content, le fait que mon société a campé. Moi, je vais espérer que c'est pasteur Armel seulement, dans le secteur protestant, il a campé contre lui. Mais nous regardons qui est ce qui dans tout autre secteur ou dans tout ordre professionnel qui a posé des actes qui contraires à la pudeur et qui a fait outrage à la société pour au moins qui n'a pas reproduit encore. Moun qui prend gain pour le sénateur, pour le député, pour le président, pour connaître des politiques publiques qui doivent adopter, des textes de loi qui doivent adopter pour durcir comportement. Moi-même, je fais dans le code pénal là, pour me dire attention, l'effet. Ce n'est pas seulement papa, artiste ou bien tonton avec ma tante, pour que nous tenions ça beaucoup plus. Et nous avons un peu le monde aujourd'hui à reprocher parce que Armel pense même que le gars a gagné de d'autres bagages qu'il fait que la société n'a pas compris. Donc c'est pour nous dire, c'est prévoir, pour nous prévoir, lorsque nous avons monté la société, pour nous dire, nous mettons les yeux pour nous respecter. Et ça, question que je pose là, et comme on connaît son cher maître la loi, et on a bon droit sur vous, peut-être que vous tout parlez. Et qui ça la loi dit sur inceste, sur atteinte à la pudeur, sénateur, sénatrice? Bon, atteinte à la pudeur, les prévoit au niveau de l'article 180, si je me rappelle bien.
et avant de finir ma parole, et code pénal. Atteinte à la pudeur, pas défini vraiment en tant que code pénal. Il y a seulement dit quiconque aura commis une atteinte à la pudeur. Mais qui ça atteint à la pudeur là, lui, vraiment? C'est une infraction de fait répréhensible. Le nom droit pénal, là, dit, c'est le fait qui prévoit par la loi pénale qui dit ou pas qu'il doit faire et l'on fait, mais qui sanctionne prévoit pour ça, et ou même ou choisit à le faire publiquement. C'est des comportements qui gagnent à ouais plus à question de sexualité. Article 278 code pénal, là, pour me bien clair avec, il dit toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera puni d'un emprisonnement allant de 3 mois à 1 an. Mm-hmm. Mais on ne peut pas définir chaque outrage mm-hmm. public à la pudeur. Là. Mm-hmm. Le reste, c'est dans le droit pénal spécial ce qu'est l'outrage public à la pudeur. On peut c'est des actes que on peut poser, mais qui t'a gagné à ouais à question sexuelle, dit capable exhibition sexuelle, dit capable attouchement sexuel, dit capable harcèlement sexuel, dit capable viol. Et ou choisi pour faire bagay sa yo dans un lieu public. Dans mm-hmm. un lieu public. Par exemple, sous fait devant caméra. Et sous fait devant public. Mm-hmm. Sous fait devant caméra, une public. Mm-hmm. C'est capable de pornographie. Et pornographie qui concerne grand monde. Mais il est capable de pédopornographie. Tout ce qu'il s'agit de bagay si monde. Et je dirais, on va parler de questions et nécrophilie. Non, à un niveau, oui. Mm-hmm. Nécrophilie qui fait faire bagaille avec un cadavre. Faire sexe ou bien faire l'amour avec un cadavre. Et on a choisi faire l'on lieu public. Et donc, on a un phénomène qui a commencé fait ici en Haïti vers les années 2018-2019. C'était bagaille et poupée. Est-ce que c'est bagaille poupée? Mm-hmm. Bagaille poupée. Mon nom dit, je préfère un poupée parce que poupée n'a pas fait le payer l'argent. Et puis là, si là, le souchant de masque là, là, on fait tout chef cocon, les mouns qu'on fait dans le chambre à Poupéa. Là encore, on a outrage public à la pudeur. Okay, mais qu'on y a sous question ça, ou c'est qu'à garder, entre guillemets, tout en question d'inceste. Inceste, ça pas vraiment prévoit par la loi pénale haïtienne. Sinon que, comme une cause d'aggravation de la situation d'un monde qui est en contravention avec la loi, par exemple, un monde qui fait viol et on fait viol sous petit tout. Les saillots disent qu'il y a barou, ça a la peine aggravante, ou dans circonstances aggravantes de l'infraction. Mm-hmm. Mais dans ça, dans le code pénal, il n'y a pas sanctionné en 1835, sauf dans le code ça qu'il y a là, il est sanctionné. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'il retourne seulement à papa, à petit, à tonton, à neveu, à ma tante, mais nous te dit qu'il faut qu'il ouvre le plus, aller jusqu'à cousin. Ok. Maintenant, voilà. Est-ce que. Attouchement sous un papa sous un petit, c'est yo capable catégoriser ça comme inceste. Non, inceste ligue droit c'est yon situation qui a mené vers inceste là. Okay. Et ça que moi-même moi dit non, on ka pareil quand vous ka pasteur Armel là, moi-même comme ancien commissaire du gouvernement qui enseigne droit pénal spécial, moi ta ouvri une instruction criminelle sous lui. N'a pas une instruction criminelle sous lui pour me connaître quel est le comportement de famille ça, comment yo vivre à Simon. Allez, même nous restons là. Dans tout pays dans le monde, même pour gérer peuple là, quand ils sont politiques publiques, ils ont adopté, oui. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, là, aussi, si vous avez un chien là, quand vous faites trois petits, il faut le déclarer, lui, dans la zone où vous vivre là, pour le dire, responsable, vous avez un chien qui fait trois petits, pour regarder est-ce que le chien a pris un vaccin normal, est-ce qu'on a un côté pour héberger trois chiens, etc. C'est même pour Timoun. C'est pas n'importe qui qui t'a de faire Timoun. C'est pas n'importe qui qui a éduqué Timoun. C'est pas n'importe quel environnement fait pour Timoun. Mais c'est des politiques publiques qui nous est adoptées. Et ça fait moi-même ta bataille, malheureusement, pas arriver à voter. Me déposer en bas un code, le code de la famille. Code de la famille au niveau du Sénat, me prévoit. C'est justement pour créer berceau de réception Timoun, non? Non, non, enfance-li, non, jeunesse-li, non, vieil âge, un vieil âge, deux vieil âge, trois li. Qui va permettre au moins moun l'état gonz yeux sous développement moun la caille. Malheureusement ça pas été voté, nous espérons moun t'a bini ou y a voté qui va permettre nous avancer. Okay. Mais on papa, gen bagay li pa ka fait ak petit li,
des nudités qui mounan qui qu'on doit respecter, des chambres qui mounan, des secrets qui mounan qu'on doit respecter. Ça va contre la culture, nous, comme haïtiens. Et sociologiquement, jusqu'à présent, nous acceptons mon abdi qui mounan, c'est qui ménage nous, ménage yo. Il y a même si c'est petit mon yo, même si vous un petit mon yo, même si petit mon yo dit c'est petit ménage yo, ça aussi des comportements qui pas doit accepter dans la société. Mais pour ça fait, c'est une véritable politique publique en matière de famille qui a bien éducation là-dedans, qui permet au moins nous connaître qui ça ne pas faire, qui ça ne pas faire. Et là nous on fait des résultats rapidement. Donc le commissaire gouvernement pour tout ça fait avant hier là, il saisit les questions pour dire attention, et pas nous ça avant nous hier, il y a bagarre pour respecter. Tout à fait. Sénateur, sénateur, on quitte reste là pour le tribunal, on vient dans l'actualité politique là. Merci, merci à Pile pour éclairage. Maintenant, on parle politique, ou pas si accord le 21 décembre pour qui ça? Bon, j'en connais, moi-même, nous, depuis le 25 octobre, nous inscrivons dans une dynamique qui relève compromis historique. Compromis historique, là, c'est ça, me toujours prêcher comme un monde qui n'est pas jamais extrémiste. Qui choisit pour ne pas jamais extrémiste. Ils doivent chercher le milieu qui est capable de permettre nous vivre ensemble. Mais au niveau de compromis, il y a une pile discussion qui fait entre nous sous possibilité pour nous chita avec le premier ministre Ariel. Et puisque ce compromis n'a pas cherché entre les Haïtiens, nous venons entendre nous dire n'a pas chita. Compromis en chita, le premier ministre Ariel, voyez ben nous, yon bagay on document que le accord. Non accord là nous analyser et nous te dit en premier temps nous pas rentrer là-dedans parce que nous pas travaille accord là avec. Mais puisque nous sont animés par l'esprit de compromis qui n'a pas lié, nous dit s'il est pas nous pas travailler là avec éviter de venir, et bien c'est l'occasion pour nous discuter avec. Moi-même personnellement Clarence Renoir, c'est Jean-Louis. Nous, c'est trois dissidents en tant que compromis qui passent. Nous passent pour qui raison, moi-même raison pas non. C'est parce que moi estimé que en tant qu'accord là, il y a un coup de plume mesdames qui fait. Coup de plume mesdames non, qui pourrait remettre le pays à l'instabilité encore. Qui ça le dit? Monsieur Ariel gagne près de 17 mois depuis qu'il est dans ce pays. Et que le constat est fait, il n'a pas pu délivrer la marchandise. Monsieur Ariel, pas qu'à dire réussi, parce que ça a été fait pour payer à l'appel, sauf qu'on réussit très pas personnel, dans le sens qu'il était le plus longtemps possible au pouvoir. Maintenant, nous-mêmes, dans le cadre de travail, nous avons regardé nos trois organes qui créés au niveau de l'accord-là, nous avons créé HCTA, qui est le Haut Conseil de Transition, qui est adoué au grand rôle quand même présidentiel. Parce que tout pays a brûlé qui dit Haïti a un passé, une histoire bicéphale en termes de gouvernance. Donc, nous avons besoin que tout le monde qui vient aider le président et premier ministre Ariel dans la gestion du pays, s'il n'a pas aller, il n'a pas aller, il n'a pas mettre dehors, nous obligé de cohabiter ensemble avec lui. Et là, ça, au moins, nous avons aider au niveau de HCTA. Le moment de HCTA, regardez-moi, je dis HCTA, c'est le cap réfléchi sur leurs axes stratégiques de développement et capable des directives à. Et gouvernement qui c'est deuxième organe. Mais, le premier ministre Ariel, le nom que je finis ça, me pose une question. Je dis le principe gestion, il y a le fameux principe PODDC, qui c'est planification, organisation, dotation, direction et contrôle. Si HPTA fait planification, il passe des instructions à gouvernement, comment il va l'exécuter? Premier Ariel répond, il dit, gouvernement a exécuté le suivant article 149 Constitution, hein, qui dit que c'est le Conseil des ministres qui a pris la décision. Je me dis, waouh, bon petit problème, Premier ministre. On a imaginé que HCTA tabaille une instruction à gouvernement. Et que le gouvernement a chupé la résolution HCTA dit qu'il va exécuter. Car un conflit a fini. Qui est instance que nous prévoit cap gérer conflit ça. Premier ministre pas qu'à répondre avec conseiller Lyon sur ça pour dire qui instance que le créer pour gérer conflit. Or conflit a étant paraît en bas de nous toutes sur le lieu de que nous allons mettre accepter ça siéger. C'est pas clair. Deux, qui est-ce qui a accepté à un niveau qui est au gouvernement? Non.
dans la disposition transitoire, on va dire, il n'y a aucune relation de subordination entre HCTA avec le gouvernement, il n'y a pas chef flotte, entre HCTA avec OCAJ qui a créé, qui est organe de contrôle là, il n'y a pas chef flotte. Maintenant, il y a un micmac qui a créé, quand il y a un conflit, et il y a une proposition. Proposition, nous fait parce que ce pays a avancé. Nous dit Premier ministre, ça ne peut pas. Constitution 87, nous avons demandé à te dire, lorsque des conflits entre plusieurs branches dans l'État, on essayait de créer une commission de conciliation. Mais avec la constitution amendée, le législateur a venu dit, on a créé le conseil constitutionnel là. Mm-hmm. Moi, je dis, en bien, en encas ça, même si on a fait un élan patriotique pour monter son base consensuelle CEPA, son base consensuelle, nous voulons remplir la cour supérieure, la cour de cassation, en nous gardant ensemble son base consensuelle, comment nous avons monté organe ça, conseil constitutionnel ou bien commission de conciliation, je ne sais là, qui a tranché lorsque nous conflit entre nous. Et lorsque le pouvoir va le transmettre par l'autre monde, pour ce n'est pas un homme qui est étranger à cause haïtienne, non, qui est le président qui ne l'est pas, qui est le sénateur qui ne l'est pas, en tout cas, tout ça. Le Premier ministre dit que c'est une très belle idée, belle bagaille, bon développement. Cependant, sénateur, nous ne sommes pas prêts à rentrer dans ça maintenant. Maintenant, rapidement, il y a une planification psychologique pour qu'il y ait une lutte intestine entre nous encore. Et me dit, moi-même, je ne pas cautionner un bagaille comme ça. Pas là-dedans. Pour l'autre monsieur, il y a gagné Clarine Soudan, par exemple, qui estime que l'accord est peu suffisant. Jean Oufel là. Insuffisant, cela exprime le comment, parce qu'il manquait ouverture. Moi-même, tout me pensais, il y a des gens qui doivent dans l'accord là. Exemple, vous me dites, problème, il y a Montana, ou pas qu'à respecter l'effort haïtien, ça y a fait pour chita ensemble, depuis plus qu'un an, il y a pas pour un renouveau en tant que pays. Ou pas qu'à quitter Petite Dessalines de côté, ou pas qu'à quitter et la famille Lavalasse de côté, ou pas qu'à quitter OPL de côté. Mais dans nos pensées, il faut gagner un marché contre qui fait entre nous pour garder comment nous sommes capables, un, mettre mesdames de côté dans l'accord là, dans créer tout instance dans le cas aider nous réussir, mais en plus, pour joindre tout le monde que nous devons joindre en dedans, pour permettre d'avancer. Okay. Hein. Maintenant, HCTA, ce n'est pas de compromis historique qui était proposé par le Premier ministre ou par le facilitateur. Qu'est-ce qui était venu avec HCTA? Il faut nous dire l'idée et ça, c'est venu depuis le consensus de Montana. Il a commencé, Montana a dit lui-même l'a mis un président. Lorsque Pentral est rentré dans le consensus avec lui, nous dit. On nous préférait, on nous montait plutôt avec 5 personnes qui devaient permettre une représentativité politique qui est suffisante, qui devaient permettre nous avoir moins de monde dans la rue qui a créé une stabilité qui devaient permettre nous réaliser la transition. Donc, l'idée, ça, l'adopter dans le consensus pour le Montana, dans l'échange qui fait avec le Premier ministre, pour Moutel. Maintenant, les facilitateurs, plus particulièrement M. Arnaud Descartes au niveau du VDH, Préal Kembel, et on va dire qu'il y a des 5 membres en un premier temps, après on va le dire, au à 3, justement pour bailler société civile là, secteur privé des affaires, et classe politique là, même pied d'égalité. Oui. Même pied d'égalité. Mais il faut qu'on dise, là encore, si psychologie, mesdames, non, c'est on va aller caler nous, parce que même Mme Maniga, par exemple, personne n'a pas qu'à cracher sur Mme Maniga. Personne n'a qu'à bêter personnalité en doute. Mais moi, pour que Mme Maniga ait un véritable pouvoir, réel pouvoir en elle, pour le capable de mettre réel sous lieu au service du pays à vrai. Ça, que je ne sais pas, dans l'accord là. Mais Mme Maniga n'a pas été sélectionnée par la classe politique. J'en ai dit là. Elle va pas bagage. Pas la classe politique et Sénat. Moi-même, je suis un parti politique, je dis en Haïti, qui va dire 6 000 personnes qui votent dans tout le pays. Moi-même, j'ai 1844 personnes qui votent. Ou pas qu'à dire qu'on bagaille pour ne pas attendre, même lorsque je suis là-dedans. Qui est-ce qui choisit Mme Maniga? C'est seulement notre délire, Mme Maniga, secteur politique qui a choisi. Mais pas qu'on côté qu'on réunion secteur politique. Nous, moi-même, comme d'un courant, moi-même, lorsque je suis en train de bagaille là. C'est parce que Mme Maniga, nous tout connaissons ça lié et ça le pote pour le pays, nous ne pas contester, nous seulement demander en temps accord là, il faut que nous mettions beaucoup plus de principes qui
qui permet de nous faire une bataille entre nous. Okay. Et si nous arrivons à bataille entre nous, il y a une instance qui est capable au moins de trancher. Ça fait une bonne question sur qui est-ce que tu as proposé HCTA. Je suis curieux pour me connaître. Et là, tu as proposé là, avec qui attribution que tu as tout proposé là, dans le document, et révision ou bien amendement qui fait dans l'accord là, qui côté révision, puisque là, on s'est souligné que, et pour le ministère, c'est le conseil des ministres qui a gagné dernier mois, mais avant, le tu as proposé à CTA, nous t'es proposé là, avec qui attribution, et sénateur. HCTA, dans l'accord Pen Montana, nous t'es proposé comme un élément dans le bicéphalisme que nous avons promoté. Nous avons bien HCTA qui a bien fait même là-dedans avec le gouvernement. Donc l'exécutif a exercé par HCTA et le gouvernement. Avec bien sûr, HCTA a gagné des attributions présidentielles. Maintenant, monsieur, lorsque la discussion a fait et que le document a écrit, l'équipe M. Ariel là, en question, il dit au même, il a retiré l'attribution présidentielle là pour HCTA, il a dit que l'exécutif est exécuté par, est exercé par un gouvernement ayant à sa tête un premier ministre. HCTA prend comme un organe consultatif. C'est comme si seulement pour consultation, il a, le gouvernement va faire un commentaire au conseil. Et maintenant, encore 21 décembre, non, si vous allez à cause d'un fil verbe qui conjugué dans l'attribution HCTA. Exemple, vous mettez valider, vous mettez coopérer, vous mettez participer. Mais ce n'est pas des décisions que HCTA est capable de prendre. Est-ce que monsieur, c'est coup d'état le père dans le HCTA? Vous dites? Est-ce que monsieur Henri, c'est coup d'état le père dans le HCTA pour HCTA pas révoquer lui qui fait il va d'accord? Mais je dis ça clair, et ça fait une grosse psychologie. Que nous-mêmes nous devons pénétrer. Je dis à là, ça pour nous, ce n'est pas intérêt, mais ce que nous pour nous, dans la situation que nous y là. Après avoir passé 17 mois au pouvoir, comme Premier ministre, ou pas qu'à dire, on va prendre machine pour quoi, pour passer Martissan. Ou pas qu'à dire, on va prendre machine pour passer Canaran. Donc, on a même souffrance avec nous. Et là, pas Premier ministre pour aller dans la clinique là, on a bien même problème avec nous, pour veiller, pour ne pas kidnapper. Maintenant, je dis à ce résoudre un problème définitivement pour le pays. Pour nous résoudre, lui, moi, comprends le mot, haïssable, je vous dis là, c'est moi-même qui dois devant. Mais, pour moi, l'individualisme n'a pas de réponse que nous avons demandé, nous avons besoin. Hier, le Sénat nous a dit, voisin, pas besoin de courant, depuis nous-mêmes, nous avons des génératrices sont là, caille nous, nous avons pas nous inverter nous. Voisin, pas besoin de sécurité, parce que nous avons des sécurités là, caille nous avons un agent de sécurité. Mais je dis à nous, caille là, agent de sécurité n'a pas qu'à arriver. Hein? Nous avons là, nous pas la dedans parce que voisin n'a pas quitter nous la dedans et voisin ouais nous c'est nous pour lumière, c'est nous ténèbres. Je dis à me penser important pour nous chercher vivre ensemble non. Et c'est vivre ensemble nous allons chercher dans l'accord du 21 décembre non. Où est-ce qu'on mettait si ça là dedans? Nous allons signer moi-même. Faut mettre un organe qui est capable de résoudre le problème yo. Faut nous bailler vrai pouvoir à HCTA. Si Premier ministre Ariel Henry après 17 mois relé au groupe monde, trois monde vienne aider. C'est parce que l'estimait que l'Itégué a une certaine incapacité pas de permettre de délivrer. Maintenant, pour nous délivrer, pour ne pas perdre du temps encore, pour nous aller bien, faut nous relayer ou bailler aux possibilités pour aider vrai. Et pour bailler aux possibilités d'attendre un accord de 21 décembre pour bailler. C'est ça que nous si je dis que résolution à la crise, là, ou bon dénouement à la crise, là, il y a chopé d'une part. Par une crainte de Premier ministre Henry pour lui perdre du pouvoir, et d'autre part, par volonté et d'autres structures politiques pour gagner beaucoup plus de marge de manœuvre sous pouvoir politique. Là. Son bonne lecture? Mathieu, oui et non. Vous pensez que le Premier ministre Ariel Henry a peur pour perdre du pouvoir. Mais si vous avez peur pour perdre du pouvoir, mettez-le à terre. À mettre l'intérêt, par exemple, pour mettre un article qui dit personne ne va révoquer. Vous devez mettre un article pour dire personne ne va révoquer. Vous n'avez pas de problème avec. Cependant, nous avons les pouvoirs pour aider le pays. Nous avons les pouvoirs pour aider le pays. Pas de pouvoir dans ça à la créer. Moi, je me regarde, c'est comme si une création de poste qui fait pour trois personnes, mais nous n'avons pas de pouvoir vrai. Nous n'avons pas de pouvoir réel. Maintenant,
suis d'accord avec vous, de parti ça, il y a une crainte de perdre le pouvoir du côté du Premier ministre Ariel. Maintenant, pour l'autre parti ou dit, et pour l'autre structure politique qui voulait beaucoup plus d'espace, beaucoup mal de manœuvre, on est capable de dire oui et non encore. Non, on a négocié, pas oublier ce petit quoi fait. Lorsqu'il y a fait politique, il dit, m'a participé dans l'intérêt collectif là, après l'intérêt collectif là, intérêt clan, intérêt groupe moins, à venir. Mais moi-même personnellement, et moi quand même dire pour clarifier ce qu'on a personnellement, nous dit attention, intérêt personnel, non, c'est, ou bien des groupes, non, c'est libre de mettre en dernier neuf, on met intérêt pays à devant. C'est ça, malheureusement, parfait, qui fait moi-même, moi, papier. Et moi, c'est l'équipe parfait qui fait Clarence Renoir et Serge Jean-Louis, passer malgré le compromis. Si, nous sommes arrivés au côté de classer le compromis. Nous disons non, on va avec la classe. Nous avons été à l'interne, pendant que tiens problème en de compromis, nous n'avons pas les mêmes gens, ceux qui ont encore d'autres politiques, nous ne devons pas avoir les mêmes gens. Nous acceptons que M. Rentre dans Zafra, M. Ariel Henry, puisque nous minoritaires, nous silence. Nous pas éclaté le système compromis. Maintenant, je dis à chaque cas important, c'est mon saillou, quand vous, monsieur Saint-Cyr, que moi-même, je travaille avec lui pendant quelques jours dans la question crise, là. Monsieur Fleuridor, que vous prenez dans le secteur protestant, madame Maniga, faut au moins ta chita entre vous, puis vous dites, nous prenons rentrer dans ACT ça, avec qui pouvoir réel? Moi-même, moi, pour y avoir un pouvoir réel, pour y avoir des pays loin, sortir dans sa vie, là, comme des mouns qui ont caractère, comportement, qui a intégrité, qui a compétence, qui a pris des décisions durables pour le pays. Nous n'avons pas besoin de poupées trouelles ni fantômes encore. C'est ça le besoin. Nous sommes là, nous allons jouer. Parce que l'insécurité a fini à nous. Je dis à toute classe sociale, nous sommes capitalisés. Nous avons quitté le pays. Nous avons quitté le pays. Aller dans notre pays. Nous avons ouvert le pays. Nous avons tout ça. Nous avons un cerveau, nous, que l'université a. Préparer, aller. C'est ça pour nous stopper comme hémorragie. Maintenant, pour nous stopper, il faut nous aider des gens capables, intègres, compétents, qui aiment le pays, qui sont capables au moins d'avancer avec le pays. C'est ça que nous demandons, M. Ariel Henry. Donc, vous faites appel à tout avec mon avec, HCTO pour conditionner les prises de fonction pour une augmentation de pouvoir en deux structures là? Effectivement. On nous dit que Mme Maniga pas de classe pour nous dire que le pays a le droit. Et si la valeur accepte de rentrer dans HCT, il faut connaître ses services dans le pays. Un jeune garçon qui a poussé ici, il faut le voir aujourd'hui que toute classe économique pays a effondré. Aujourd'hui, là, moun ne peut pas manger. J'ai un garçon plein d'âmes dans le pays. Et on m'a dit vraiment, est-ce que dans la situation, ce n'est pas d'âmes dans le pays obligé de faire. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas d'alternative. Maintenant, pour nous venir, on est que vous. Calix Floridox sur ton secteur protestant, qui a un pire monde qui a passé misère là-dedans, faut que les estimes là, qui s'embrasse utile pays. Mais moi-même, moi dit, après avoir lu, et pas comme plus sorte que ça, Sénat, moi Lille en troisième fois, moi pas ouais pouvoir réel, et au bail HCTA. Et si HCTA rentre dans ça, il y a seulement un petit job. Est-ce que les Olivier ont pris plus pouvoir? Sur le terrain, je ne sais pas. Mais moi-même, je pense que les conditions qui battent le coq, c'est avant même que vous preniez l'investiture pour t'acheter avec le Premier ministre Ariel Henry, garantir que vous ne pouvez pas révoquer, mais si Ariel Henry tout, moi, je dis là comme pouvoir, je ne sais pas, comme des pouvoirs mal utiles au pays. Okay. Retirer l'article 1 dans l'article 1er dans la question et accord et VTR qui dit. Et l'exécutif est exercé par le gouvernement et à sa tête de Premier ministre. Après l'article 49, que le Premier ministre a parlé, il n'y a pas de ça. Non pas dans la Constitution. Le Premier ministre n'a pas passé devant le Parlement. Il n'est pas ratifié. Il n'y a pas une feuille de route qui est légitime et légale dans le même. D'abord, il y a des gens qui ont contrôlé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas qu'à parler de questions. Article 149, ce n'est pas vrai. Donc, il faut que M. Damtaïo questionne tête pour ne pas passer comme fantôme. Pour pas le passer comme monde qui pas utile, pour pas passer comme monde qui a des jobs nommé pour ministre Ariel. Et aujourd'hui, il y a pas de job là qui est utile nous. C'est nous pour utile pays.
Nous avons le Premier ministre là, et dans l'occasion du 1er janvier qui dit qu'il a saisi, il a paniqué parce que les jeunes sont à quoi. Il dit n'avancer avec tout le monde qui voulait, l'autre va venir dans la route, n'a pas quitté place pour eux dans la machine là, mais n'avancer avec le monde qui voulait eux qu'on y a. Ou un commentaire sur. Non, pas pour commenter ça. Ou un Premier ministre qui a voué point, ça va pas dire ça. Je ne vais pas dire dans les commentaires, on va tout le temps encore, le Premier ministre. Je ne vais pas commenter. Bon, vous avez l'impression que le Premier ministre est en mode adélanté, et sénateur. Et... Non, c'est comme ça. Et assez souvent, vous conjoint de monde qui est dans le pays, comme qui ses amis internationaux, qui a dit en avancer. Avancer de craser l'institution, avancer, dit c'est moi qui chef, avancer, frapper les stomacs, avancer, frapper les pirates. Ou yon te fait ça avec le président Jovenel Moïse, et là, le mouri là, après, valè moi, algué là, jusqu'à présent, même justice. Ou pourquoi, qui va au bout de la sortie pour la justice? Et ça fait m'tout, je dis à ça que nous-mêmes, nous gagnons comme rélevance, dans un pays, nous gagnons. Chaque monde qui a une position, et c'est normal, je pense que je ou plus jeune passé, parce que même, je pense que c'est grand monde, mais ou même que je ne gagne pas, c'est pays à que nous gagnons comme bien, c'est pays à pas nous, quel que soit ton passeport étranger dans le monde. C'est Haïti qui parle. Je ne vais pas m'arrêter, vrai, c'est en Haïti qui a retourné. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, faut que nous faisons un bagage lorsque nous sommes en position, nous n'en poste, nous n'en posons des décisions, faut que nous disons qui ça nous doit faire pour payer. Et c'est ça que je fais appel moi, pour le Premier ministre Ariel Henry connaît que dans l'âge lié là, il n'y a rien qui a fait que rendre service à pays. Qui a des pouvoirs? Ce n'est pas foutu qu'il a des pouvoirs pour 25 ans. Parce que il n'y a pas dit qu'il a vécu 25 ans encore. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous planifiez qui sont à place et faire, appel, quittez le pays. Il y a l'homme et nous, l'on allait. Il y a l'homme et nous, l'on allait. Il y a l'homme et nous, madame Anigale, l'on allait. Il faut nous tous praler. Il faut que nous connaissions praler. Sénateur, merci un peu, lui. Est-ce que vous êtes disponible pour nous matin? C'est un plaisir pour me parler avec vous. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2023. Que bon Dieu bénisse nous. Merci. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick Lan, même voix. On y est.